Hello les amis, c'est Mitrapnoma de Nintendo Air Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce du sanctuaire donc de UAO Oza qui se trouve ici. Voilà, ici très exactement. Allez, c'est parti. Donc on a de nouveau les cibles, les sphères. Donc on commence à connaître le mécanisme. Hein. Alors, il y a un coffre là, on va aller le chercher en priorité, comme ça c'est fait. Donc ça n'active pas celle du dessus, mais ça va activer celle du dessous. Donc ça déverrouille une planche. Et c'est ce qu'on va utiliser pour le coffre et pour la suite du sanctuaire. Donc on va utiliser, une fois de plus, cette espèce de catapulte. Hop, pour aller chercher le coffre ici. Et ça donne un remède, pic pic. Bon, on a vu mieux, mais on a déjà vu pire aussi. Allez, on continue. On place la boule dans le réceptacle. On va l'éjecter avec la puissance de ce cube. Montez le plus haut possible. Vous lâchez. Et normalement, c'est censé aller sur la cible. Mais voilà, la chance fait que ça ne va pas du tout sur la cible. C'est pas bien grave, on recommence, vous avez compris le principe. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, tout compte fait, n'allez pas si haut, peut-être. Que ça veut pas, ça veut pas. Faut savoir que juste avant, ça marchait du premier coup. Un peu le réceptacle parce que c'est plus simple de bouger le réceptacle que de doser l'envoi avec le cube. Voilà, donc là ça le fait. Donc bouger un peu le réceptacle pour au cas où ça irait trop haut. Donc voilà, alors là on n'a plus qu'à s'éjecter nous-mêmes. On utilise la paravoile, donc pas de souci. Et c'est la fin de ce sanctuaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.